Entendez-vous comme moi ce langage d'oiseau? Qui es-tu? Où es-tu? Qui es-tu? Où es-tu? Alors j'attends pour lui répondre. Une dame qui arrive, peut-être que c'est elle que je vais le dire. Vous faites demi-tour? J'ai déjà fait. Ah, vous habitez par là? Vous habitez par là? Ah, j'ai cru. Au moins 10 km tous les jours quand je peux. C'est vrai? Ouais. De bon matin comme ça? Ouais. Ah bon? Vaut mieux parce qu'après une fois je l'ai fait à la chaleur. Mais oui. Je pouvais plus. Et vous habitez par là? J'habite à. Oh. Vous voyez la zone industrielle? Alors c'est où? C'est... On est à quoi? C'est B7. Après B7? Oui. Oh oui, oh oui, après B7, après Vous êtes une bonne marcheuse. Et puis monsieur fait un bon pédalage. Bonjour monsieur. Vous prenez des photos? Je filmais les oiseaux. Et puis comme vous êtes un oiseau qui venait d'arriver, je vous ai pris en même temps. C'est un bien. Un oiseau vient de décaper. Oh ben vous êtes toute belle quand même. Écoutez, regardez. J'ai été malade depuis ça fait 3 ans que j'ai été malade. De quoi vous avez eu? Ce serait trop long. Alors vous allez... J'ai eu un zona. Ah. Ah ben ça se voit pas. J'ai eu un zona. Après, je commençais à aller bien. Oui. Je fais attention à ma nourriture, vous savez. Ben oui. Bon. Ben sinon, vous ne seriez pas en forme comme vous êtes. Pour faire 10 km comme ça, il faut quand même après, pouvoir le faire. Je ne sais pas pourquoi, j'ai pris du fromage, du goût qui m'a donné... Bon, il vous a donné quoi, ça? Ça fait couler le nez, ça fait... Non, ça m'a fait comme un genre d'empoisonnement. Ah bon? J'ai eu des vertiges. Ah oui. J'ai eu des vertiges. Après, j'ai eu un herpès. Après, j'ai eu une péricardite. Et après, j'ai eu le mononucléose. Comment? Je ne sais pas. Je suis seule. Et aujourd'hui, vous en êtes où? Vous avez tout perdu, tout ça? C'est très bien. C'était du passé. C'est bien. Oh ben, ça fait à peine, disons, 3-4 mois que je vais bien. Écoutez, touchez du bois, vous en avez. C'est du bois. Et alors là, pour moi, je ne pouvais plus marcher, dites. Ah oui, ben dites donc, vous rattrapez là alors. Hein. Alors là, j'ai dit, pour moi, c'est le paradis. Mais oui, je vous ai vu tout à l'heure, je dis, ben voilà la dame qui me court après, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre chez elle ou elle s'en va? J'ai cru que vous partiez chez vous, moi, quand je vous ai croisé tout à l'heure. Non, je reviens là. Là, j'arrive. J'ai été encore un peu plus loin. Mais il faut revenir après. Ben c'est ça, hein. Et vous marchez d'un bon pas, moi, je suis avec mon vélo, et puis vous m'avez quasiment rattrapé. Eh, vous faites du 5 à l'heure, hein? Ah ben pour quelqu'un qui a eu tout ça, oui, eh ben faudra venir me voir. On va marcher ensemble. Avec plaisir. Ah mais j'étais en train de me dire j'en ai marre de faire des trucs toute seule. Eh ben voilà. Ben moi j'ai pas de stylo, j'ai rien. Pourquoi faire? Mais attendez, j'ai tout ce qu'il faut. Moi, regardez le vélo qui m'attend, les sacoches sont pleines de cadeaux. Donnez-moi votre. Parce que moi aussi, des fois, j'en ai marre. Eh ben voilà, on va dire au revoir aux amis. Quel est votre prénom? Catherine. Eh ben voilà, les amis, je vous présente Catherine avec qui je vais aller marcher et puis les oiseaux avec qui vous avez vu. Ils étaient en train de nous dire, qui es-tu? Que fais-tu? Puis vous, voilà Catherine qui arrive. Et bien on va leur répondre qu'on va bientôt être nombreux. Hein, on va ramener du monde derrière nous. À bientôt les amis. C'est bien ce que vous faites. Pardon? C'est bien ce que vous faites, parce qu'il n'y en a plus beaucoup qui font ça. Qui font quoi? Qui regardent les oiseaux? La nature. Vous avez vu, il y en a une là qui était assise et qui a fumé. Ah bon? J'ai dit, mais punaise. Oh ben écoutez, l'important c'est que nous... On vit dans un monde complètement cinglé. Eh mais non, parce que nous ne sommes pas, on va contaminer les autres, on est là pour ça, vous avez compris Catherine? Bon. Ah mais oui. Oh ben alors c'est moi, parfait, j'ai été vaccinée. On va faire équipe. Pardon? On vous avait vacciné? Bon non, non plus. Bon non. Nous on est vaccinés. Non, je ne sais même pas ce que ça veut dire ce poison, là, cette soupe, impossible, c'est même pas un vaccin. Hein. Bon, on ne va pas en parler parce que nous on est ensemble et c'est beaucoup mieux de parler de ça. Eh bien écoutez les amis, on fait des gros bisous, Catherine aussi, regardez son beau sourire, on ne dirait jamais qu'elle a traversé tout ça. Hein. Merci Catherine d'avoir été là. Voilà, oh, ben, je suis complètement, je la filme au-dessus de cette tête, c'est qu'elle était plus grande. Allez, à bientôt.